Bénichon, Rigolet, Rigolette, Vernolet, la Bénichon, Norirento, t'as des bons. La fête de la Bénichon est au cœur de l'identité fribourgeoise. Elle a résisté à toutes les métamorphoses de la société. Initialement, c'était une fête religieuse qui célébrait la fin des travaux des champs ou le retour des troupeaux de la montagne. Les paroissiens avaient pris l'habitude de fêter non seulement leur bénichon paroissial, mais ils allaient aussi dans les villages alentours fêter la bénichon, si bien que les autorités trouvèrent que l'on fêtait trop dans le canton de Fribourg, on ne travaillait pas assez. Dès 1888, les autorités fixent en effet les dates de la fête dans l'espoir de ramener l'ordre dans les villages. Mais cela n'aura guère d'effet. La permission de la danse était donnée uniquement à la bénichon. Et c'est ça qui fait peur aux autorités. On a l'impression alors que les fribourgeois ne respectent pas les règles, qu'ils aiment la débauche. Puis l'Église, bien sûr, aussi, se plaint que les naissances sont nombreuses 9 mois après les bénichons. Le dîner de bénichon est caractéristique de l'opulente campagne fribourgeoise. Toute la richesse de la ferme s'y étale. Jambon, gigot, moutarde, poire à botzi, cuchot, bricelet, c'est l'heure de faire bombance. C'est clair que c'est un menu grandiose, un menu immense. Il y a 40, 50 ou 60 ans, on ne mangeait pas de la viande tous les jours et on en mangeait justement à des occasions bien précises, telles que la bénichon. Et c'est pour cette raison qu'on avait envie de manger ce menu gigantesque afin justement de découvrir l'immensité de toutes nos recettes de bénichon qui étaient d'excellentes recettes et vu qu'on ne le faisait pas souvent, on adorait ceci et on continue à l'adorer. Alors, bonne gens, oyez, voilà le dernier plat avant la pause. Là, on commençait vers 11h par là autour et ça s'arrêtait vers 17-18h parce que, entre guillemets, on allait ce qu'on appelle fourrager, on allait traire les vaches et de ce fait-là, on devait s'absenter pendant un certain nombre d'heures également pour faire les travaux de la campagne le soir. La bénichon était un événement très très important et auquel tout le monde rejoignait sa famille, ses employeurs pour justement partager un repas, pour partager une fête, pour partager un moment où on prenait du temps à se raconter les histoires de l'année en cours. Pas de problème. Alors pour la joie de vivre. Merci, c'est gentil. Voilà. Santé. Santé.